Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine, ben c'est Pâques. C'est assez évident. Cette, cette année, c'est un texte tiré de l'Évangile selon Jean. Euh, un texte qui est plein d'images, de symboles, de métaphores, comme on dit souvent. Et c'est donc pas surprenant que lorsqu'on arrive au sujet de la résurrection, l'auteur ne nous, nous dit pas euh, comment que ça s'est passé, des explications, tout ça. Non, non. C'est pas ça qui semble être important. Bien sûr, il y a la partie où Marie et les disciples découvrent la tombe qui est vide et il y a certains arrivent à y croire à cette résurrection-là, que quelque chose s'est passé. Mais euh, ce qui a attiré mon attention cette année, c'est Marie. Après que les disciples sont partis, Marie reste là, dans le jardin, à côté du tombeau vide, euh, tout seule, puis elle pleure. Euh, Marie, qui était euh, une disciple de Jésus depuis euh, presque les débuts, qui, qui est là tout au long de l'histoire, qui est au, là à la crucifixion, euh, elle fait partie vraiment du groupe des, des intimes, là, là, qu'on qu pourrait dire. Mais là, elle a vécu tout ça, mais là, ben, Jésus est mort. Puis, euh, comme plusieurs d'entre nous qui visitent la... Je sais pas, moi, les, les, les tombes d'un être aimé, ben, elle est là. Puis, euh, elle veut juste être près de lui, sentir sa présence. Il y a quelqu'un qui se pointe, elle croit que c'est le jardinier. Puis elle dit, ben, où c'est que vous avez mis le corps, Où c'est que vous l'avez caché, là? Parce que c'est la seule chose logique qui peut y venir en tête, C'est la seule chose qui. Ah, sens, c'est la seule possibilité, c'est juste ça qu'elle peut comprendre qui peut se passer. Et c'est seulement lorsque cet homme-là l'appelle par son nom qu'elle comprend qui est là. Jésus est de retour. Et tout ce qu'elle veut sûrement, c'est de recommencer la vie telle qu'elle l'était avant, d'aller de, de, rencontrer les foules, de continuer à proclamer le message. Mais Jésus dit T'accroches pas à moi. Ce que Marie a de la difficulté à comprendre, ce que nous avons de la difficulté à comprendre, c'est que la résurrection, c'est pas une ressuscitation. C'est pas un retour à la vie, puis on recommence du point où que ça a arrêté, où on efface la mort. Non, non. La résurrection affirme qu'il y a eu mort. Et qu'il y a quelque chose qui, 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 qui disparaît. Puis qu'il faut laisser aller cette affaire-là. Puis c'est pas juste... Euh, Laisser aller euh, quelque chose de, 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 de vieux, là, des cochonneries, un, un vieux téléphone cellulaire qu'on ne se sert plus, mais c'est d'accepter de laisser aller quelque chose qui peut être vraiment important pour nous, quelque chose, quelqu'un qu'on aime, et de cette mort se crée un espace, un vide qu'on peut utiliser pour être transformé, pour envisager de nouvelles possibilités, des, des choses qu'on n'a jamais imaginées auparavant. Marie, pour Marie, c'est d'accepter que le Christ ressuscité, c'est pas nécessairement la même personne que Jésus de Nazareth. Je sais pas si vous avez remarqué dans, dans, dans les textes euh, du Nouveau Testament, euh, d'anciens disciples rencontrent après la résurrection de Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le pas. C'est lui, mais c'est pas lui. c'est parce que Jésus a été transformé. On ne se fait pas donner de détails comment, mais il y a eu une transformation profonde, tellement profonde que c'est difficile pour, pour Marie de, de vraiment saisir qui qui est là et, et de, 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 de comprendre la nature. Mais cependant, cette transformation-là conduit à leur transformation aussi et ça leur donne une expérience tellement puissante que... Ben là, ils, ils, ont, ils ont trouvé un nouveau courage, ils trouvent un, une nouvelle euh, éloquence, une nouvelle, euh, un drive, là, je pourrais vous dire. Et qu'ils découvrent qu'ils n'ont plus besoin nécessairement de leur maître pour leur dire quoi dire, quoi penser, comment faire. Ils peuvent prendre leur foi par, sur eux-mêmes et le faire par eux-mêmes. Et pour nous, cette nouvelle-là de la résurrection, cette nouvelle de cette possibilité de transformation, ben ça nous donne la possibilité de, de, de nous aussi nous transformer, de voir de nouvelles façons d'être, de nouvelles possibilités autour de nous autres. Le hic là-dedans, c'est que ça nous prend souvent ces possibilités. La possibilité de résurrection, c'est quand on s'y attend le moins, <laughs> quand on ne le voit pas venir. Là. Puis là, oups, il y a quelque chose qui, qui meurt, quelque chose qui disparaît, quelque chose qui arrête. Et le défi, c'est de résister à la tentation de s'accrocher, d'essayer de ramener tout comme c'était la normale, ramener comme c'est des choses qu'on connaît, puis d'essayer d'effacer la disparition. Le défi pour pleinement comprendre la résurrection, pour vivre la résurrection, c'est de s'ouvrir, s'ouvrir notre esprit ou cœur, notre, notre âme à la possibilité qu'il y ait d'autres possibilités. Et c'est ça que je vous souhaite pour Pâques, d'aller vous ouvrir, découvrir des choses que vous n'étiez même pas capable d'imaginer, puis d'accepter que la transformation, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas nécessairement mieux, ce n'est pas différent au pire, c'est différent. Et ce différent-là peut nous conduire à des places qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Portez-vous bien, faites attention à vous, profitez et mangez du chocolat et à très bientôt.